Salut les amis! Dites-moi, connaissez-vous votre alphabet? Je plaisante! Aujourd'hui, nous allons jouer avec les lettres les plus à la mode de l'alphabet anglais. Elles sont trop cool! Regardez donc les lettres I et E. Vous les connaissez déjà? Alors cliquez sur « J'aime ». Et maintenant, préparez-vous! Que le compte de lettres commence! Les premières lettres de l'alphabet? Évidemment, tout le monde les connaît! A, B, C. Si vous les placez au bon endroit, vous verrez, elles ne vous décevront pas. Qui sont leurs voisins et bons amis? Les lettres D et E. Eh oui! D, E, F. La lettre F est en colère. Elle n'est pas contente. De la sixième place, il faut que je me contente. D et E, vous venez avec moi. Dans un très sombre donjon, la lettre F les a mises en prison. Pas besoin d'autres lettres, dit le F en émoi. Le F, c'est bien mieux. Allez, suivez-moi. F n'a jamais été en colère de la sorte. Toc, toc, ouvrez la porte. G est notre ami du méchant. Il peut parfois être violent. G. Tu vas rudement vite, mon ami. Qu'est-ce que c'est? C'est un taxi. C. A. B. Un taxi. Qui gagnera cette course? Lancez les dés. Et bonne chance! Mais refusant de s'avouer vaincu, F s'est emparé du I. I! I! Mais nous n'avons pas de temps de pleurer. Lancez les dés et continuez à jouer. Le F a aussi enlevé la lettre K. On ne peut pas laisser faire ça. K! Ces pauvres lettres sont en danger. Qui viendra donc les libérer? Voyons donc ce qui se passe après. Après une pause bien méritée. Nous avons maintenant un défi astronomique. Nous devons stopper F et son plan diabolique. Voyez nos amis courageux comme jamais. Bien décidés à ne plus se cacher. X. C. B. R. Nos amis sont là, prêts à affronter les obus que F a choisi pour leur tirer dessus. Je suis méchant et menteur, mais je m'en fiche. Alors je dis feu! Vous êtes à terre! Je pars de ce pas, car la victoire est proche pour moi. F est le coupable, ça c'est certain. Heureusement, j'ai le coup de main. Ache! Pendant que certaines lettres distraient F, d'autres entrent dans son donjon, dans un taxi alphabétique. Nous ferons des rencontres sur la route. Personne ne s'ennuiera pour ça, aucun doute. Et nous commencerons avec notre ami nommé... N. C'est un être courageux et vaillant. Il se battra jusqu'à la nuit des temps. Mais soudain, les autres disparaissent un à un. M. G. Pendant ce temps, petit à petit, N a réussi. C'est vrai? F est-il vaincu? Dans tes rêves! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Une chasse à la lettre? L. M. N. O. Ce sont des lettres ou des Hulk? C'est qui celui-là? Il a l'air tout timide. Allons-y, petit gars. Q. F. Les amis, vous voulez voir la page suivante? Alors restez à l'écoute pour la prochaine étape. Faisons une petite pause. Oublions donc F tranquillement pendant un petit moment. J'ai toutes les pièces qu'il nous faut ici. C'est parti! Pas mal, non? J'adore les puzzles. Et vous, les amis? Cliquez sur « J'aime » si c'est le cas. Maintenant, installez-vous confortablement car nous allons continuer. Oh non, le chef des lettres s'est perdu. Qui va l'aider? Ou au moins, essayez! M. P. M et P sont en chemin, mais il manque quelque chose. La lettre A. Tout le monde est là. Allez, c'est parti! À
accélérons la cadence. Waouh! Ce quiz a l'air un peu compliqué. Nous avons un assistant. C'est la lettre G. Et ça y est, je crois que j'ai compris. Vite, au taxi. Cette équipe de rêve n'a Dieu que pour le prix. Voyons ce qui va suivre. Waouh! Il est immense. F. Les amis, regardez ça. C'est la lettre P. À vos marques. Prêt, feu, partez. Ouf! Nous avons réussi à calmer F pour un petit moment. Et c'est l'heure du coloriage de notre alphabet. Je vais travailler et vous, les amis, vous pouvez vous détendre. Mais n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». S. U. E. C'est amusant, en effet. Mais continuons. Et voici encore un nouveau jeu. Qui en retirera toute la gloire? H. F. Ce n'est pas un jeu du morpion ordinaire. Qui est là? Un ami? Un ennemi? M. G. Évidemment, M a gagné. Bravo, youpi! Ouais! Mais remettons tout cela en place. Vous aimez ce livre? Ouah! Applaudissez la lettre. Ah! Ici, nous avons un autre jeu avec… Oh! Il suffit de mettre le O ici et de lancer la balle. C'était amusant, mais continuons! Voici la toute dernière page. Le F en colère est ici. Mais notre taxi alphabétique n'est pas loin. Nous connaîtrons le vainqueur en lançant les dés. Ah! C'est un 6! F avance bien, mais voyons la suite. Notre taxi fait 3. 1, 2, 3. Hé, méchant F, on t'a à l'œil. Les amis, sauvez la lettre. W. C'est un travail d'équipe. Les meilleures lettres gagnent et elles rejoignent. Y. Youpi! Nous avons gagné! Nous avons sauvé tout le monde! Qu'en est-il de Z? Nous verrons la prochaine fois. Alors les amis, que pensez-vous de ma version de l'alphabet? Vous aimeriez avoir le même livre de jeu? Je vais vous montrer comment le fabriquer tout de suite. Commençons par faire une couverture sur une feuille de papier blanc épais. Nous allons coller ce joli morceau de papier bleu avec les bords arrondis. Et pour que tout soit plus net, dessinons un cadre noir. Est-ce que notre ami F vous manquait? Les amis, vous pouvez décorer la couverture comme vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi d'appeler mon livre « Friends ». Ça veut dire « ami » en anglais. Et voilà, rien de très compliqué. Pour créer une double page, il suffit de prendre deux feuilles de papier et une bande de papier comme celle-ci. Collez le tout et dessinez un cadre noir sur le pourtour. C'est vous qui choisissez votre déco. Moi, j'ai choisi ces rayures bleues. Découpons ensuite la fenêtre où les lettres seront rangées. Et collons le tout sur la couverture de notre livre de jeu comme ceci. Et voici nos lettres. Regardez comme elles s'intègrent bien ici. Notre F grincheux peut vivre ici en haut de la montagne. Et les chaînes de son donjon sont attachées à du velcro ordinaire. Ensuite, le jeu de société. Ou plutôt, la route de l'aventure de notre taxi alphabétique. Oh! Et voici la piste. Les lettres que F va voler. Et voici les lettres de « cab ». Ça veut dire « taxi » en anglais. Encore quelques traits. Les fenêtres sont découpées. Et cette poche sera collée. N'étalez la colle que sur les bords. Collons également nos lettres sur de larges bandes de papier. Et mettons tout à sa place. Vous vous souvenez de notre drôle de puzzle avec la lettre H? Page suivante, il faut reproduire l'obscurité de la caverne du méchant, même si les crocs acérés de notre méchant F doivent encore être visibles. Ah ah, voilà comme ceci.
Et voici la sortie. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la piste et nous pourrons passer à autre chose. La cinquième partie comporte plusieurs couches car elle contient de nombreuses fenêtres et aussi des objets décoratifs. Ici, dans le coin, il y aura une curieuse lettre Q. Et derrière les fenêtres, si vous vous souvenez bien, se cachent des lettres super fortes. Adorable! Eh bien, la moitié du livre de jeu est maintenant terminée. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous vous souvenez que la partie suivante était consacrée au puzzle, n'est-ce pas? Je vais juste ajouter quelques jolies boucles et de petits tourbillons. Voici l'enveloppe pour les puzzles. Génial! Et voici nos images. Surtout, il faut les découper en respectant leur forme ici. Et voilà! Rassemblons-les toutes et rangeons-les. Elles seront prêtes quand nous voudrons jouer. Encore une rime! Oh, tout est presque prêt! C'est vous qui faites ça, Monsieur Q? Oh, petit filou! Laissez-moi quand même faire quelque chose par moi-même. Par exemple, je vais dessiner ces flèches. Et je vais ajouter quelques petits buissons. Sinon, cette page a l'air vide. Les lettres que nous utiliserons pour écrire le mot « map », ça veut dire « carte » en anglais. Et nous cacherons la carte elle-même dans cette pochette en papier. La la la, la la la. Cette lettre est incroyablement grande et affamée. Miam, 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 miam. Et sur la deuxième moitié, nous aurons le même F, mais plus petit et emprisonné dans un cercle. Vous vous souvenez de lui? Lui et la languette ont tous les deux des petits aimants. C'est pourquoi ils se déplacent facilement sur le papier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce truc est magique? Waouh! Vous avez vu ça? Il ne reste plus qu'à mettre tous les éléments pour jouer à leur place. Une petite minute! Tu n'es pas d'ici, tu t'es perdu, hein? Tes frères de Morpion sont ici. Et sur l'autre page, nous allons coller ce petit mécanisme tout simple. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai toujours aimé quand les livres de jeu ont autant de choses mobiles que possible. Ça y est! Ah oui, j'ai failli oublier! Ce sont les balles pour jouer avec O! Et enfin, la dernière partie de notre livre de jeu. Voici le départ. Et voici l'arrivée. Pour rendre ce jeu un peu plus sympa, ajoutons des cases spéciales. Et voici nos joueurs. Allez-y, n'ayez pas peur. La dernière étape pour aujourd'hui est le dos de notre livret de jeu. Il est fait de polystyrène, comme cet œil mobile, en plus d'un morceau de paille. Waouh, regardez le résultat! Partagez cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, les amis! Au revoir!